Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de retour de solde pour les chéris. Ce n'est que pour les chéris, il faut être raisonnable, il y a des périodes comme ça. Voilà, en même temps je m'étais acheté des petites choses aux vacances et voilà, ben, c'est pas grave, je me rattraperai aux prochaines soldes. Là, il n'y a pas le choix, il faut vraiment serrer la ceinture. Mais par contre les enfants avaient beaucoup grandi, j'avais trié leurs armoires. Ils avaient gardé leurs affaires assez longtemps, hein. En général, ils arrivent à les garder 2 saisons d'affilée. Et ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, quoi, ça faisait 1 ou 2 soldes que je ne leur avais pas acheté grand-chose, juste le complément là où ils avaient grandi, ça n'allait plus. Et voilà, mais là, ça y est, on est arrivé au bout du bout. Les armoires sont bien vides, il n'y a plus le choix, il fallait y aller. Donc, j'ai commencé par aller chez Sergent Major. Alors là, franchement, j'avoue que franchement, ils ont fait de super soldes. Quasiment tout le magasin était à 50%. J'ai flashé pour ce petit pull qui était mal rangé. Enfin, c'est un suite pour mon Tintin. Je lui ai pris, ça change comme couleur parce que c'est vrai que j'achète essentiellement plus sobre. Mais parce qu'il y a Zou des éléphants dessus et que les éléphants sont les animaux préférés de Tintin. Donc voilà, il n'est pas trop épais, ce sera bien pour l'automne. Puis bon, même en hiver, ils font pas à l'intérieur de la classe avec un truc thermo en dessous, ils ont pas froid. Hop, il était bien content, je leur ai montré ce matin ce que je leur avais acheté, ça leur plaisait bien, ils étaient enchantés. Moi bon, j'ai de la chance, ils sont toujours contents, donc ça c'est plutôt cool. En fait, il y avait un décalage où quand je les emmène, ils sont vachement critiques sur ce que je leur montre. Et puis, en fait, quand je vais faire les magasins que je leur ramène à la maison, ils sont toujours super contents. Bon, ça m'arrange, quoi. Lisette n'avait plus de doudoune, elle a de demi-saison. Voilà, la sienne, elle l'a portée bien 2 ou 3 saisons d'affilée. Donc là, il lui en fallait une nouvelle. Donc toujours chez Sergent Major, c'était à 40%. Alors, j'ai oublié. Pardon, ça a bougé, de vous donner le prix. Donc celui-là, il était, alors je vais arrondir hein, parce que tout est à 23,99, vous voyez, enfin c'est des prix à la noix. Donc du coup à 50%, ça faisait 12 euros. Ça va, quoi, 12 euros ensuite, surtout chez les Sergent Major, ça va. Là, donc c'était à 40%, c'est quand même un bon prix. Hop, elle était à la base à 40 euros. Voilà, donc ça fait 24 euros prix remisé. Voilà, c'est correct. Même si après j'étais un petit peu déçue parce que quand je suis passée chez Okidi, il y en avait en sa taille il y a 2 saisons d'affilée, mais ça nous on s'en fiche parce que c'est toujours assez sobre quand même. Voilà, à 15 euros. Mais c'est vrai que je fais pas un premier tour et puis ensuite, voilà, parce que tout n'est pas au même endroit. Enfin. Voilà, puis après quand on repasse, ça se trouve, il a été vendu, donc voilà, mais il a un petit détail sur la fermeture éclair qui est jolie, petite couleur. Bon, elle l'a trouvé très jolie ce matin, l'autre était bleu marine, donc voilà, je ne doute pas que là, avec du rose, elle aurait préféré celle-là de toute façon. Ensuite, toujours chez Sergent Major, là, il n'y a plus l'étiquette, si, 50%. C'est un suite, voilà. J'aime bien les suites. Il y a la capuche. Parce que voilà, à demi-saison, ils peuvent ouvrir tout ça. C'est un suite de sport. Hop, ça faisait 22 euros. Donc ça faisait plus que 11 euros. Et quand je suis passée en caisse, la vendeuse, elle me dit, heureusement, elle a bien fait. Vous avez vu qu'il y a le pantalon qui va avec? Alors non, je n'avais pas vu parce que je l'ai pris en tant que suite et pas en tant que haut jogging. J'y avais même pas pensé. Et donc du coup, hop. Et bien, il y a le bas de jogging qui va avec, que c'est assez sympa en fait, Zou, avec le petit revers. Les mains, les poches aussi sont jolies. C'est aussi 50%. Et puis là, pour le coup, voilà, c'était vraiment pas cher. Ça fait 9 euros une fois remisé. Donc voilà, elle a un jogging, surtout que j'en ai commandé chez Verbeauvais. Donc il y en a deux. Parce qu'en cours d'année, quand il les aiguille, puis c'est surtout que des fois, j'ai l'impression d'avoir inscrit mes enfants, enfin, surtout Élise, hein, parce que Martin a encore. Mais à sport-études, ils font du sport tout le temps, le mardi, le jeudi, comme elle va à la gym le mercredi. Et bien en hiver, en fait, ça sèche pas aussi vite. Et donc du coup, je préfère en avoir plusieurs. Et puis en cours d'année, elle était rentrée avec un trou dans son pantalon de jogging. Voilà. Puis une autre fois, il y a les taches de terre. Et puis c'était pas parti sur le rose clair. C'est pour ça que c'est foncé, comme ça, hop, ça se voit plus.
Donc du coup, je suis passée en caisse pour tout ça. Ça m'a déclenché un bon de fidélité de 10 euros. Je me suis dit, bah, j'en profite tout de suite parce que je vais pas assez souvent en ville. Et puis après, ça se perd et c'est con. Donc je lui ai repris un petit gilet. Ça, c'est pareil, c'est pratique. Il était à 50% aussi. C'est un grand principe, hein. Quand j'achète tout, je disais à Yohan, j'ai tout pris 40% au minimum. Il me dit, oh, mais je dis rien, c'est en dessous, tout ça. Je dis, ouais, mais c'est une question de principe. Voilà. Si on a deux enfants habillés, ça fait quand même des sommes. Donc 50%. Bon, celui-là, il reste plus le prix, mais je sais que du coup, il y avait le bon de 10 euros. Et j'ai payé plus que 2 euros et les petites patates. Donc voilà. Pour 2 euros, franchement, zou, un suite de plus. Parce qu'en fait, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont arrivés à bout, ça, ils ont plu. Mais j'ai eu du mal à trouver. Ensuite, je suis allée chez Tape à l'œil. J'ai pris ce pull-là. Alors, il est beau, il est chaud. En même temps, il est majoritaire acrylique. Donc, je sens que ça va boulocher. Je ne sais pas si vous le sentez aussi. Mais voilà, j'aime bien la couleur. Ça va lui tenir chaud. Et je crois qu'il va falloir que j'achète un rasoir à moumoute. Parce que il va devenir moche trop vite, quoi. Mais voilà, il a besoin de pull vraiment, vraiment. 50%. Voilà, donc ça faisait plus que 11,50 €. C'est ça. Zou, je vous dirais que c'est parfait. Franchement, les soldes, c'est vraiment le moment où on en profite à fond. Et le matin, donc Elise, elle m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je lui ai dit, ben, je vais faire les magasins pour vous, les soldes. Et puis elle m'a dit, ah, tu vas nous acheter plein d'habits, tout ça. Alors, j'ai dit, attention, automne, hiver, parce que pour l'été, vous avez assez, on n'a pas besoin d'accumuler. Donc c'est pour la rentrée cet hiver. Alors elle m'a dit oui, je refoudrais un surpyjama, tout ça, tout ça. Alors j'ai dit écoute, je vais regarder si je trouve. J'ai trouvé. Donc chez Tape à l'œil aussi. Alors elle n'est pas aussi branchouille que chez Verbodet. Elle est en fait toute simple. Il y a juste quand même tadam, le détail qui fait voilà, qui lui a plu ce matin. Mais hop, 50%. Et non, il n'y a plus l'étiquette du prix. Moi, je crois que ça faisait 11 euros du coup. Donc voilà. Parce que même si dans la nouvelle maison, il y a un poêle, on chauffe quand même jamais trop trop des masses. On se couvre. Et hop, donc elle, je sais qu'elle sort du lit. Elle aime bien mettre son truc. Hop, alors en revanche, Martin, lui, c'est moyen, moyen. Il faut vraiment qu'il ait froid, mais il a toujours chaud. Mais il n'y en avait pas pour lui. C'est comme ça, les soldes, des fois, on trouve pour l'un, pour l'autre. Donc, mais elle, au moins, elle a déjà le sien et ça, c'est cool. C'est tout. Oui. Je suis allée en ville. Ça, c'est le petit craquage. Voilà. Pour Elise, je le trouvais trop joli. C'est la seule exception. C'était à 30%. Donc, je l'ai encore payé 14 euros. Mais il était mignon, donc je l'ai vu. Et puis je me suis dit, hop, 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 c'est pas forcément nécessaire tout ça. Donc je l'ai reposé. J'ai fait un tour. Et puis après, j'y pensais encore. Et je suis retournée le chercher. En même temps, je lui en ai acheté un dans cette boutique-là l'année dernière. Elle le porte encore cet été. Et Martin a un t-shirt, c'est trop rigolo. Mais là, il est au sale. Il aurait fallu que je prévoie de le montrer avant. Mais c'est un t-shirt des Iguales. Il est en 3-4 ans. Et en fait, il le porte toujours. Donc, on l'avait acheté quand on était à Mulhouse, donc il y a plus de 3 ans. Et il le porte toujours. Il a grandi avec lui. Il n'est même pas trop court. C'est un truc hallucinant. Et c'est vrai que leurs affaires, ils arrivent à les garder longtemps. Et puis, je suis passée chez du pareil au même. Donc, Élise, elle n'avait pas de petits pyjamas d'été. Alors, nous, on s'en fiche parce qu'en fait, les shorts d'été, là, je regardais le sien, c'est du 5 ans. Que j'ai plié ce matin dans le linge qui avait séché. Et puis on change juste les t-shirts parce qu'en fait le bas, ça passe toujours bien. Et mais bon, comme ils vont chez leur papou mamou, au moins ils auront une tenue de nuit présentable. Martin, je lui en avais pris. Voilà, il lui restait encore des schtroumpfs que j'avais trouvé chez Lidl l'année dernière. Et puis je lui en ai pris un chez Verbaudet au jour haut. Voilà, avec des dinosaures, donc il en a deux, c'est parfait. Elisa, celui-là, ça va suffire. Ensuite, j'ai pris ben, un pyjama chaud pour mon Tintin. Tintin, donc j'ai du pareil au même. Il est trop joli. Voilà.
En fait, c'est là-bas que je trouve que les pyjamas sont les plus jolis pour les garçons. Il était à 22 euros, il était soldé à 40%. Donc il a le bas qui va avec. Voilà, pour avoir bien chaud. Parce que même si on sait que là-bas, en théorie, on devrait avoir plus chaud qu'ici, quand même, on pousse pas trop loin le chauffage. Hop! Donc il faut de la tenue de compétition. C'est le seul qui avait de chaud. Je lui ai trouvé un autre pantalon. Tadam! Voilà, il est sympa. Lui, il a aimé le truc moto là. Je sais pas combien de temps ça va rester accroché, mais il a l'air solide. Zou, 50% aussi. Et puis donc à la base, il était voilà, à 20 euros. Donc ça faisait 10 euros le pantalon. Je vous dirais que ça suffit. J'en ai repris, mais c'est forcément j'ai commandé. Et j'ai bien fait parce que quand je me suis pointée chez Verbaudet, ils n'avaient rien dans le magasin, donc c'était bien de commander. Et j'ai repris un indestructible parce que celui que j'y avais commandé, ben, il est toujours nickel. Donc finalement, c'est que ça fonctionne. Et puis pour Lisette, chez Tape à l'œil, je lui ai repris un. Non, c'est pas Tape à l'œil, c'est chez Verbaudet. Voilà. Un petit short parce que ben, les shorts, elle n'en a pas beaucoup. Elle en a deux. Dont un qui n'est pas encore arrivé, donc voilà, c'est un peu juste ben pour cet été. Elle a des jupes, mais comme ils vont faire beaucoup les parcs avec les papous mamous, je trouvais que c'était bien qu'il y en ait un de plus, sinon la mamou elle va être obligée de laver tous les soirs. Donc 60%, ben c'est bien, il est rose, c'est bien. Et donc à la base, il était à 16 euros, donc ça fait voilà, ça me faisait pas cher, c'est 6 euros et des patates, je fais aucun effort de calcul. Hein. Et. Dernière chose, j'ai acheté les cadeaux pour les maîtresses. J'ai pris deux fois le même, j'ai trouvé ça chez Marionneau. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un masque pour le visage, anti-soif. Il y a la crème hydratante et le dernier truc, c'est un baume à lèvres. Voilà, j'aime bien acheter du consommable hein, en général. Une fois, elles ont eu, j'avais été à la parfumerie, elles avaient eu une bougie. Une autre fois, j'avais été à la pharmacie. En fait, je sortais plus du. C'est quand j'avais les premières chimios, je ne bougeais plus du tout du village. Et donc, du coup, je leur avais acheté de l'eau pour le corps. Là, je sais plus quelle marque. Voilà quoi, à la pharmacie. Elles étaient bien contentes et, parce que j'entendais les mamans qui discutaient, certaines, et elles des tasses et tout. Elles doivent avoir des collections de tasses, les pauvres. Donc, voilà, moi, j'achète des trucs de nénettes. Elles sont super gentilles, elles méritent. Elles ont poussé, encouragé, soutenu mon Tintin, elles l'ont aidé à se développer, elles ont fait des miracles, il est heureux d'aller à l'école. Il parle super bien et voilà, vraiment, elle mérite parce que je sais que Martin peut être très très pénible à l'école hein, et qu'il les fatigue beaucoup. Et pourtant, elles l'aiment malgré tout énormément et elles l'ont vraiment stimulé et ça c'est chouette. Donc elle méritait un cadeau. Donc j'en ai pris bah, deux parce que voilà, il a sa maîtresse. Et puis il y a la Tsem quoi, qui mérite aussi son cadeau. Hein. Elles sont deux à bosser. Je ne fais pas de différence entre les deux. Voilà, ils m'ont donné les pochettes parce que comme elles étaient grandes, ben, ça aurait pris trop de place à transporter. Donc, zou, j'aurais qu'un scotch à mettre. Et au moins, si on est chargé, que je suis fatiguée, mal organisée, bon, c'est pas grave, c'est déjà à la maison. Donc là, c'est cool. Pour mon Tintin, il manque des joggings chez Okidi, au Baby. C'est la première fois que je n'achète rien, mais rien. Dans le magasin, bah, il n'y avait rien. Et il y avait des joggings pour Tintin, mais c'était foot. Bon, foot, on va vous dire non. Il y avait du rugby, mais il ne fait pas de rugby. Et dans les trucs de basket, c'était bah, les mêmes qu'il a déjà. Donc, comment vous dire, qu'on les a déjà assez vus. Et en fait, dans ce qui était sympa et soldé, il n'y avait plus sa taille. Donc, je regarderai sur. Sur internet, sûrement ce week-end, je ferai livrer en magasin et le Yuan ira chercher. Voilà, donc lui, il lui manque des joggings. Les papous momous achètent les baskets. Et il faut que je regarde encore chez Verbaudet. J'aurais bien pris déjà la veste d'hiver de Martin. Il n'en a plus. Élise a encore la sienne. Donc voilà, on est bien paré. Il faut que je compte les jeans pour voir s'il y en a assez. Voilà, avec le reste qui va arriver de chez Verbaudet. Ce sera le moment de faire un inventaire. Il va leur manquer un peu de suite, un peu de pull. Et puis ce sera tout. Donc c'est cool. On va être tranquille jusqu'au printemps prochain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!